mâle, je dormais. Mais j'ai entendu sa voix m'a réveillé. Sa voix, c'était sa voix, il n'en est pas d'autre dans le monde. C'était sa voix, j'en suis sûr. Où est-elle? Ah, je ne peux plus lire. Je ne veux plus lire. Non, pas cela. Ne plus voir cela. Sans dormir dans la fièvre, pour se réveiller dans l'angoisse, tourment sans fin, sans fin, sans fin. Quel oiseau perdu,
En ce moment, croyez-moi, nous n'y pouvons rien. Allez-vous-en! Regardez cette clarté, linceul lumineux qui enveloppe les temps. Et lui, le médecin, l'oiseau maudit, l'oiseau de malheur, il est là, il ne vole plus. Le voyez-vous? Oui, voici notre roman favori. Je vous lirai cette belle légende du chevalier et de l'ermite. Cœur vaillant par nature, maintenant très fort aussi par la vertu magique du vin herbé qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, en vérité malicieux et obstiné, mais craignant la tempête, leva bel et bien sa massue et fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte, si bien que le bois sec et sonnant le creux, porta l'alarme d'un bout à l'autre de la forêt. Roderick, vous n'écoutez pas? Oh, si, j'écoute de toutes mes forces. Oh.
Ulrich, passant alors la porte, fut grandement furieux et émerveillé de n'apercevoir plus trace du malicieux ermite. Mais en son lieu et place, un merveilleux dragon avec une langue de feu, devant un palais d'or dont le plancher était d'argent, et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant. Alors, Ulrich leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un épouvantable rugissement. Et maintenant que l'enchantement était rompu, il s'avança sur le pavé d'argent vers l'endroit où pendait le bouclier, lequel n'attendit pas qu'il fût arrivé, mais tomba à ses pieds. Dani, qui me l'a volé.